la mémoire vive. Ce programme est diffusé en audio description.
sont tirés. Comme d'habitude. C'est calme. C'est peut-être le moment de la prendre, cette foutue crête. Tu les vois? Je vois rien. Je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Ce que je sais, moi. Ah! Regardez-moi ça, mon lieutenant! Vous pouvez lire? Et qui se rendent? Ich wage nicht euch zu sagen, was hier geschieht. Um euch nicht zu je n'ose pas vous dire ce qui se passe ici. J'ai peur de vous rendre malade. La crête que nous occupons a l'aspect d'un volcan qui ne cesse de brûler. On se replie, allez. On sort de là, allez. Je n'ose pas vous dire ce qui se passe ici. De peur de vous rendre malade. La crête que nous occupons a l'aspect d'un volcan qui ne cesse de brûler en crachant la mort autour de lui. Et la folie erre dans notre sang. Und der Wahnsinn irrt in unserem Blut. Gut, sehr gut, Herr Genevois. Millionen Excusen, aber haben wir ein Rendezvous. Sehr important. Dépêche-toi, il y a du puits dans les parages. Ach, du puits qui erre. Herr Secrétaire Général. Je ne vois Rémi. Envolé. Oui, oui. Weggeflogen. Ja. Ich weiß nicht, was alles bedeutet, dass ich so traurig bin. Arrêtez de bouger. Ah, Yvonne. Venez poser nu pour moi. Non, mais arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je me déshabille. C'est moi qui vais poser nu pour vous. Bon. D'accord. Alors? Et Théodieu, je le déteste. Mais non, tu l'aimes. Bien sûr que non. Bien sûr que oui. Et moi, j'aime Lucien, qui est amoureux de toi. L'amour est triste. Mais la vie est amusante. N'est-ce pas, Sorette? Je comprends pas, la dernière fois qu'on est sortis, t'étais avec Idali, moi avec Yvonne. Et là, comme ça, tu changes, t'es pas sérieux. C'est toi qui es trop sérieux. Tu es trop boutonné, trop étriqué. Je hais les cœurs pusillanimes. Quoi? Moi, pusillanime? Vous. Ton impudence aura sa récompense. Oh, ah non, ça ferait la deuxième. Tu m'as offensé. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous nous laissez toutes seules. Plus le désir s'accroît, plus les fesses reculent. Vous ne pourriez pas vous exprimer plus simplement? Non, je ne crois pas, non. Et puis vous aussi, vous êtes familière des grands auteurs. Oh, en ce moment, c'est Offenbach. J'adore Offenbach. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. La la, et tout, la 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 la, la la, et tout. La vie parisienne. La, la, la. La vie parisienne, mais non, aucune culture. La guerre de Troie, la belle Hélène. Tu viens, Dali? Non, est grave. Nous allons nous battre pour vous. Tu tires le premier? Je suis jeune, il est vrai. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Trop simple, humiliant, Corneille. À moi.
Un jeune homme toujours bouillant dans ses caprices et vain dans ses discours. Volage en ses désirs, rétif à la censure et fou dans ses plaisirs. La Bruyère. Ah, pas la Bruyère, Boileau, Boileau. Avantage à Lucien. J'avais les vers. Pas l'auteur, avantage, avantage, n'est-ce pas? Oui, oui, avantage. Ah, oh, Boileau, Boileau, d'accord. Je ne suis pas de ceux qui disent « Ce n'est rien, c'est une femme qui se noie ». Je dis que c'est beaucoup, et ce sexe vaut bien que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie. Oh. Autant, suspend ton vol, et vous, heure propice, laissez-nous savourer les rapides délices, les plus beaux de nos jours. Lamartine, le mai, le joli mai, embarque sur le Rhin. Je vois pas qui est-ce. Kostrovitsky. Je connais pas. Guillaume, c'est un jeune poète. C'est joli la suite. Non, ça compte pas, c'est pas un classique. Il comptera. Pas pour l'instant, triche, avantage. À moi. Oh non, non, on rejoue. Qu'est-ce que c'est? Le général va vous recevoir. Lieutenant, je ne vois mon général. Lieutenant? Sous-lieutenant, je ne vois mon général. Je ne vois, oui. Du 106e d'infanterie. Oui, mon général. Très belle unité. Vous prenez le commandement de la 7e. Lieutenant, je vous souhaite bonne chance. Je vous tends la main, lieutenant. Seriez-vous ému? Non, mon général. J'ai menti. J'étais ému. J'aurais honte de ne pas l'être. Tant d'impressions, de réflexions ébauchées qui me secouaient tout entier. Officiers sur la route. Les hommes en file, par compagnie. Non, je ne vois. Capitaine Rive, vous pouvez rejoindre vos hommes. Sergent Swen, à vos ordres, mon lieutenant. Sergent Swen, faites l'appel des nouveaux venus.
Soldats, un pas en avant à l'appel de votre nom. En ligne sur un rang. Villoré. Caleta. Gonin. Kello. Vasseur. Manchon. Percepied. Martin. Cerfeuil. Section. À mon commandement. Garde-vous. Repos. Manchon. Oui, sergent. Avec moi. Soldats, rejoignez les rangs. Tous les hommes présents à l'appel, mon lieutenant. Votre ordonnance, Manchon. À vos ordres, mon lieutenant. Je suis de la région, alors pas de problème. C'est moi qui m'occupe de tout à la maison. Je coupe les cheveux, je rase, je couds. Je pose des sangsues. Très bien. Merci, Manchon. Vous me rangerez ce fer à cheval ? Oui, mon lieutenant. Lieutenant Genevois. Messieurs, heureux de vous voir. La mitrailleuse, c'est moi. Tu vas jamais t'en sortir, là. Tu veux pas t'occuper de la mule, plutôt ? La mitrailleuse, c'est moi. D'accord. Sinon, je m'en fous. Après tout, tu te débrouilles. Elle s'appelle Rosie. Appelle-la par son nom, si tu veux qu'elle avance. Allez, on y va. En avant. Et c'est parti. En voiture, en voiture. Direction Verdun, Metz, Saarbrück, Francfort. Terminus, Berlin. Sont où les Allemands? On dit pas les Allemands, on dit les Boches. Ah, d'accord. Les Alboches, les Pruscos, les Hulans, les Kif Kif Bourrico, j'ai raison. Kif Kif Bourrico. Kif Kif Bourrico. Quel âge que t'as, toi, Kello? 18 ans et demi. C'est pas bien grand pour faire la guerre. C'est bien assez grand pour voir du pays. Et la guerre, je sais la faire. Et où que t'as appris à la faire? Dans le chasseur français, pardine. Pas d'impatience, je ne vois. On y va, on y va. Ménagez-vous un peu. Oui, mon capitaine. Hé, hey, ralentis. Pour aller là où qu'on va, on arrivera bien assez vite. Oh, j'ai pas que ça à faire, moi. J'ai tout laissé en plein à la ferme. C'est ma femme qui a tout sur le dos. Je suis pour qu'on traîne pas ici. Puis être parti, puis être rentré. À condition qu'elle soit pas entre quatre planches. Merci pour le moral. Ah, ah. Et voilà, il y a un corbeau maintenant. Et alors? Et alors? Bah alors j'aime pas ça, c'est pas bon signe. C'est des conneries ça, les corbeaux c'est utile, hein. Vos gueules! Raison! Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est les cibles, ils sont là. Les Alboches, ils sont où alors?
Non, mais nous, on est où, là? J'en sais rien. Hé, hey, les gars! Il paraît que les Belges sont rentrés en Allemagne. Merde, déjà? Et ça se trouve, les copains, ils ont déjà franchi le Rhin, là. Mais nous, alors? Oh, c'est trop con. On va arriver que tout sera déjà fini. Ah ben le voilà. Ouais. Trop crevé pour bouffer. Là. J'en ai pas une semaine comme ça. J'ai mal aux pieds. Si t'as mal aux pieds, c'est que t'es vivant. N'oublie pas ça. Bon, lieutenant. J'ai trouvé une grange pour dormir. Merci, Pancho, mais je reste là. En principe, les officiers dorment pas avec les hommes, mon lieutenant. Merci, Pancho. Eh ben, c'est pas la peine que tu te donnes du mal pour rien, Pancho. C'est pas la peine. Stelle in paese più ne nasce come te belle zidelle fortunato sarà quello chi ti me terrà l'anello t'avais quelque chose? Les étoiles. On connaît le ciel. T'es du sud, comme moi? T'es d'où? Faradiccio, Corsica, Pastore. Capre, pecore. Ouais. Les moutons, t'es berger? Signori, cadista dura, biancherò. Sa di colori a guardati par un fiore a parlati in canto gore bel contento sarà quello che con te Là, mais... Tu peux regarder, mais fais gaffe. Ça sert à rien. À toi peut-être, mais à moi ça sert. Tu vois? Ah ouais, pas mal. Ouais. Ouais. Si t'as besoin d'artiche, je te l'achète. Eh, elle est pas à vendre. C'était à mon père, il était au chemin de fer, comme moi. Il était chef de gare, j'ai raison? Ah non, non. Non, il est aux marchandises. Mais moi, un jour, peut-être que je serai chef de gare. Ouais. Hé, tu vas où? Réfléchir. Debout! Oh! Debout! Oh, doucement, là! Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas aussi bien dormi, moi. Ah bah oui. Ça, c'est l'air de la campagne, hein. Filé, Milo? Bah, le blanc. Du bon, du fort, du engrain. Oh là, où t'as eu ça? Réserve de pompons. On va boire le jus du lieutenant, les gars. Ah, c'est qui, bonbon? Tampon. C'est quoi, le tampon? Tampon, c'est l'ordonnance. Panchon, pauvre pomme. Qu'est-ce que c'est qu'une pomme? Ah ouais, bien sûr. Hein. Comme ça, jamais trop vite. S'il m'arrive quelque chose, c'est toi qui reprendras le moulin. Ça sent le jambon. Tu peux faire? Non, trop délicat, ça. Et
Eh ben allez les gars, faites chauffer l'eau. Et qu'est-ce qu'on mange avec ça? Pas de la soupe? Non mais t'inquiète, le sergent est parti chercher les croissants. Je me ferais bien des faillots, moi. Ça m'étonnerait. Départ dans 5 minutes, donne. Je veux bien battre, mais pas le ventre vide. Salut, Pompon. Arrête de l'appeler comme ça, il aime pas. Ah, ils sont bons, votre jus. Tu peux en avoir? Et serre-toi, c'est de bon cœur. Oh. Oh, franchement, il est pas aussi bon que le mien. Je peux pas. Bah, c'est que j'ai des grands pieds aussi, moi. Hein. Eh, ma mère, elle me le disait tout le temps. Toute ma taille, je l'ai pris dans les pieds. Tiens, prends les miennes. Bah, merci, monsieur Martin. Martin, tout court, c'est rien comme ça, va. Ça va bien, hein? Ouais, bah tu pourras t'en servir. Allez, en route! Ouais, allez, en route! Et on va les avoir, les Allemands! Et les Alboches! À l'attaque! Équipe qui court, Rico! On va les avoir, on les aura! Et où? This is the question! Voilà. Oh, l'ami. Hé, hey, gars. Oh. Hé. Hey. Oh. Il est cané, celui-là. Il est mort. Ouais, la gaffe, ça arrive. On avance. Il est vraiment mort? Ouais, il est mort, Kilo. Il dirait pas. Ouais, tu vois. S'il fait semblant, il aurait demandé où il devrait faire acteur. T'es déjà allé au cinéma? Cinéma? Oui. Moi non plus. J'y vais toutes les semaines avec Pénélope, sur les boulevards. Le dernier qu'on a vu, c'était Charlot et le chronomètre. Ça t'aurait plu, Gonin. Oui. C'était vachement bien. Ça durait au moins 10 minutes. 10 minutes? Ça prend rien. Je te jure. 10 minutes, montre en main. Et celle de Pénélope dans l'autre. Vous m'entendez? Ça, c'est le canon, ça. Le canon? C'est les nôtres? Je sais pas. On est trop loin. On peut pas s'avancer un peu pour s'en rendre compte? Oui, on y va. Bah, faudrait qu'on aille dans la bonne direction d'abord. Oh la vache, ça tire toutes les 5 secondes. Sur le compte, hein. Bah, les canons, ils sont là-bas et nous, on va par là. Et alors? Bah, on recule. Qu'est-ce que tu dis? Bah, le d'avancer, on recule. Par là, t'avances, et par là, tu recules. Et on recule ou on avance? Mais on recule, là? Bon, lieutenant, c'est pas possible, on recule pas. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Ah, ah bon? À droite! Non! À gauche! À gauche, à droite, faudrait savoir, là. Oh. Bon. Un! On est pas déjà passé par ici, hein? Je sais pas, ils sont tous pareils, ces villages. En avant!
pour ma section, ça. Ah non. J'étais là avant, je suis désolé, c'est pour la mienne, je suis navré. Sous-lieutenant Porchon. Je ne vois. On va se serrer. La main, d'abord. Dépêchez-vous de vous installer! Demain, départ à 3 heures! Comme ça, ça sert à rien de se coucher. Ta gueule. Le sergent. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ta gueule. Genevois, ça me dit quelque chose. Moi, je suis de Chevilly, t'es d'où, toi? Châteauneuf-sur-Loire. Eh ben, voilà. Genevois. T'étais au lycée d'Orléans? Ah oui, j'y étais. Parce qu'il y avait un Genevois dans la classe. Ça devait être mon cousin. On a dû se croiser. C'est plus que probable. On se connaît, alors? Eh oui. Et après? Après, Cyrard. Et toi? Ulm. Comment tu vois la situation? Préoccupante. En fait, on recule. Heureusement qu'on est là, hein? Quand même. Là, ici ou dans l'armée française? Les deux, en général. Cette guerre, nous ne l'avons pas voulu, mais nous devons la faire. Contre quoi devons-nous nous battre? Contre quoi vous battez-vous? Contre le meurtre? Contre la barbarie? Contre le pillage organisé de notre pays? C'est contre cela que vous vous dressez. C'est contre cela que la France se dresse. Voilà l'enjeu. Il dépasse notre vie. Creusé dans les sables par 50 degrés. Et on buvait que de la poussière avec un peu de boue au fond. Alors pour moi, il fait encore frais. Il aurait... Je m'appelle qui s'est égaré, sergent. Votre pelle qui s'est égaré, vous foutez de ma gueule. Vous savez combien ça vaut, perte de matériel devant l'ennemi? Non, mais je la cherche, hein, je la cherche. Merci, bien. Je comprends pas. Et quand c'est qu'on se bat, là? Ça va venir. Rester. Ah bon? Pourquoi? Jeanne n'était pas bien quand je suis parti. Elle va jamais s'en sortir. Tout le travail qu'il y a à la ferme. On n'avait pas fini les foins. Où est-ce qu'on va faire? On est que nous deux. Tu vas pas me laisser tomber? Je vais pas te laisser tomber. C'est pour reculer, y a pas besoin de moi pour ça. Au contraire, c'est peut-être pas bien le moment de filer. Et Rosie, et les munitions? Eh ben, j'ai ma culture et ma femme. Eh ben moi, à la ferme, traiter pire qu'une bête. Alors moi, à la guerre, je préfère être ici. Puis t'as vu la machine qu'on a? C'est quand même mieux qu'une charrue, non? J'aimerais bien qu'ils me voient les patrons le jour. On va s'en servir pour de bon.
Ça y est, j'ai retrouvé. Je suppose que tu sais t'en servir. Je veux que ça prenne. Ravitaillement ! Ravitaillement ! Ah ! Voilà, c'est comme ça que j'aime travailler. Moi, j'aime pas creuser. C'est normal, t'es mineur, toi. Bon, le temps. Merci, un peu d'eau suffira. Marmite ! Trop long, c'est pas pour nous. Ouais. Je préfère me planquer. Tout le monde peut se tromper, j'ai raison. C'est du 210 allemand. Attendez, eux du 210 et nous du 75. C'est normal, ça ? Tu iras te plaindre à l'arbitre. On vos gueules ! Regardez-moi, Swem. Tout va bien ? Ça va, mon lieutenant. Vous écrivez à votre famille ? À ma femme. Vous êtes marié ? Pas vraiment. Tout va bien. Tout est calme. On n'a pas encore vu d'allemand. Ma baïonnette se prend dans mes cuisses. C'est beau. Et mon col me tire en arrière et m'étrangle. Ma chère femme, combien tu me manques. Combien j'aimerais être en cet instant avec toi. T'écris rien ? Ça fait une heure que t'es devant ce papier. Je sais pas. Tu sais pas écrire ? Pastor, berger. Ah. Et pourquoi t'as le papier alors ? Tu aimerais écrire à quelqu'un ? Ma mère. Chère maman, je t'apprendrai si tu veux. Le 67e, se replie sur notre gauche. On se replie aussi dans le sous-bois. On se replie dans le sous-bois! Mais non, t'as rien. T'es sûr ? Mais non, t'as rien, c'est une branche. Attention ! J'irai pas ! J'irai pas ! Oh, gaffe, gaffe, bonbonne ! Ouvrez l'œil ! Eh, n'empêche, une cicatrice, ça aurait fait bien, non ? T'inquiète pas, ça viendra. Là-bas ! Où ? Chut ! Ils arrivent. Mais je vois rien ! Pierre-pied ! Pierre-pied ! Wow ! Doucement ! Allez, on se replie ! Encore ? Eh ! Si ça continue, on va se retrouver en Bretagne. Et après, il va falloir apprendre à nager. J'ai raison ? Ouais. Pourquoi il a une cagoule ? C'est un espion. Un espion ? Alors tout s'explique, c'est pour ça qu'on recule, on a été trahi. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire ? 12 balles dans la peau, c'est le tarif. En avant ! Ah bah c'est trop beau pour lui, il devrait nous le laisser. À Paris, il paraît qu'ils en ont dépecé un sur les Champs-Élysées. Ils l'ont quoi ? On va s'installer là-bas, on pourra surveiller le passage.
Attention, oh. Et touchez pas. Allez, dégagez. Voyons, toi, calme tes volailles. Hein. Oh, ça va, on va pas te l'abîmer ton moulin à café. Hein. 600 coups minutes, à mon lieutenant. Ils ont 400, c'est déjà bien. Sans surchauffe. À vous deux, vous pouvez bousiller l'armée allemande, c'est peut-être pas la peine qu'on reste, non? Je suis en bas avec la 6e. Je crois qu'on est bien placé ici. Mais on attend, on subit. Quand est-ce qu'on va les voir, nom de Dieu? On sait même pas à quoi ils ressemblent. Zoki, oui! Les alboches! Où ça? Je les vois pas. Ouais, il paraît qu'ils sont tout petits. Les v'là. Position de tir! En position de tir! Ne tirez pas avant qu'il soit découvert! En position de tir! À mon commandement! Le grand myrmidon. Combattant un contre mille. T'as eu des nouvelles? J'aurai l'esprit bien tranquille, net et mon talon. Non, non, pas comme ça! C'est vous, on s'endort! J'ai besoin d'un peuple attentif, concerné par ce qui arrive. Je suis le bouillotachille, le bouillotachille! Tu comprends, Offenbach? C'est la gaieté, mais la gaieté tragique! Sans les regards de la foule, les héros n'existent pas! Ils n'existent pas, les héros! Idem pour les dieux eux-mêmes! Allez! Un petit mot, c'est vite écrit quand même. Je sais pas s'ils ont vraiment le temps. Allez, on reprend. Je suis le bouillotagine, le grand myrmidon. Combattant à contre mille, grâce à mon plongeon. J'aurai l'esprit bien tranquille, net et mon talon. Ça y est. Il fuit.
cette fois, on y est. Là, on y est.